Yo, salut à tous, c'est Lucan et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne secondaire, intelligemment renommée cette semaine la chaîne secondaire. Voilà, parce que jusqu'à maintenant c'était Lucan Classics, c'était pas forcément super parlant, à part la période où il a fallu renvoyer toutes les anciennes vidéos. Il y a 15 ans d'archives de vidéos sur cette chaîne. Si vous allez vous balader, vous trouvez des trucs très drôles et très vieux, évidemment, avec pas du tout la même qualité qu'aujourd'hui. La chaîne secondaire a donc été renommée la chaîne secondaire. Tesla Thérapie reste Tesla Thérapie, chaîne dédiée à Tesla. Vous avez les liens dans la description si vous ne les connaissez pas. Et la chaîne principale reste Lucan Sardari jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, d'un tableau blanc derrière. C'est une vidéo totalement faite à l'arrache. C'est clairement l'idée de cette chaîne, c'est de proposer du contenu sans prise de tête. Donc je sais pas comment je pourrais vous faire une vidéo dédiée, propre, etc. sur ça, derrière le tableau blanc qu'il y a là. Et il y avait ici précédemment mon ancien tableau blanc qui servira à madame maintenant pour gérer les commandes, etc. Petit moment pub, madame fait de la maroquinerie, madame est une ancienne d'Hermès, madame fait des trucs absolument incroyables comme ceci. Vous voyez, quand vous commandez un produit chez elle, elle vous fait une estampe absolument magnifique. C'est elle qui peint de ce qu'elle va vous proposer, etc. Donc là, c'était une housse de MacBook Pro, elle fait des bracelets pour Apple Watch, elle fait tout ce que vous voulez, sur mesure. Votre imagination est la seule limitation à son talent créatif, pour ne dire que ça. Donc ce tableau blanc va lui servir à faire des scrum avec elle-même, un petit peu comme je fais moi, à faire du agile, enfin je sais pas comment elle va le gérer, mais ça peut servir vraiment un tableau blanc. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer, un, pourquoi est-ce que j'ai changé de tableau blanc. La réponse elle est super simple, l'ancien était trop petit. Et deux, comment est-ce que j'utilise un tableau blanc. Alors l'ancien était trop petit, mais vous vous dites peut-être, mais bordel de merde, comment un tableau blanc peut être trop petit et comment il utilisait l'ancien. Donc avant de vous montrer le nouveau, qui pour le coup est trop grand, il y a une phase d'adaptation évidemment, mais je vais vous montrer l'ancien. L'ancien en fait, il se décomposait en 4-5 zones, 5 zones, allez, 6 même sur la FEM, 6 zones qui sont très simples. Ça, c'est les formations que je veux passer. La LFC Associate, la LFC Admin, donc ça, c'est des certifications Linux. Professional Scrum Master, que j'aimerais bien passer. Ça, c'est pour cette année. Hein. La ITIL 4 DPI, parce qu'avec la partie Covid, toutes mes formations ITIL ont été mises en pause. J'étais un des premiers certifiés ITIL 4 Foundation, et maintenant, j'ai plus que ça 2 ans plus tard. Et la Certified Ethical Hacker, qu'en fait, je vais pas passer cette année, parce que, vous allez le voir un petit peu plus tard, Find a New Job. Ça, c'est ce qui, je l'espère, définit mes journées. Be smarter every day. J'essaye, du moins, de faire tout ce qu'il faut pour être un peu plus intelligent chaque jour. Donc, apprendre des nouvelles choses chaque jour. Donc, ça passe par une heure de lecture tous les matins, par exemple. Ou bookiner ou aller chercher de l'information sur des sujets qui, à première vue, ne m'intéresse pas, mais essayer de creuser, essayer d'être un peu plus intelligent tous les jours, ou savoir un peu plus de choses tous les jours. Be in the 5%, être dans les 5% de la population, et le paradoxe, c'est que, j'ai mis du temps à le comprendre ça, c'est que pour être dans les 10-5% de la population, on est obligé de faire ce que fait 5 à 10% de la population, c'est-à-dire ne pas faire ce que fait 90 à 95% de la population. Et ça veut dire beaucoup de choses, c'est très lourd de conséquences, je vous laisse méditer là-dessus, mais ça veut dire que par exemple on sort pas tous les soirs, ça veut dire que quand on sort on se murche pas la gueule, parce que sinon on perd sa journée du lendemain, etc. Tout ce genre de choses qui fait que sinon j'aurais pas 3 chaînes YouTube et je publierai pas autant de contenu que je le publie là, plus le Discord à côté, plus mon taf à côté, plus tout ce qu'il y a à côté. Ces deux trucs, je vous les présente. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur l'autre tableau aussi là-bas. Ensuite, est arrivé début janvier, là, des petits trucs qui pourraient s'apparenter à ce qui serait des bonnes résolutions, hein, on va dire ça comme ça, et je vais filmer plutôt ici. Donc ça, c'est la décomposition de mes entraînements. J'essaye de faire entrer mes entraînements en 40 minutes. 10 minutes d'échauffement, 10 minutes de force, 20 minutes d'entraînement, quel qu'il soit. Donc j'ai marqué WOD, Workout of the Day. Ça, c'est ce que je dois faire et dans l'ordre où je dois le faire. C'est-à-dire que ma priorité, c'est le sommeil. Si j'ai bien dormi, ma seconde priorité, c'est faire du YouTube, du contenu pour vous, en fait. Une fois que j'ai fait ces deux trucs, je passe à mes entraînements. Une fois que j'ai fait mon entraînement, eh bien, je viens combler le temps qui reste dans ma journée par de la lecture, puis par de la visualisation et par de la méditation. Et c'est un principe de vase qui se remplit et qui me permet de passer au bloc d'après. Ça, c'est très cool. Ça, en bleu. Ça en violet, je sais pas si je pouvais le filmer, mais c'est en fait la prochaine vidéo que j'aimerais faire pour vous. J'aimerais vous faire une vidéo où je vous explique comment j'ai repris le sport depuis janvier, qu'est-ce que ça a changé, etc. Mon bilan à un mois en fait. Donc j'ai fait des photos en début de mois de janvier, j'ai fait des photos, j'ai pas fait de photos, mais je vais en faire des photos maintenant, début du mois de février, on est le 1er février quand je fais cette vidéo. Il y a un gros changement, je suis très content, je pensais pas du tout qu'il y aurait un changement physique comme ça, même si en termes de poids, en termes de pourcentage de masse grasse, ça change peu. En termes de rendu, ça change beaucoup en fait.
Donc je voulais vous parler des motivations pour s'entraîner tous les jours, la fatigue permanente, l'évolution du physique, les prochains objectifs. Et tout ça, en fait, mon tableau blanc, il me sert à ça. J'ai des idées qui me sautent dans la tête, je les pose là-dessus et j'y reviens un petit peu plus tard. En mode GTD, Getting Things Done, je vous mets le lien vers ce livre dans la description de cette vidéo. Et juste en dessous, en violet, c'était mes priorités de la journée. Donc je voulais modifier un petit peu l'organisation de mon Day One avec l'objectif du matin. Je voulais prévoir mes priorités pour février qui sont en bas et que j'ai réécrites sur l'autre. Et faire un nouveau tableau. Plus les nouveaux tableaux, plus vidéos, nouveaux tableaux. Ah ben oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Nouveau tableau, plus vidéo du nouveau tableau. Voilà, bienvenue dans la vidéo du nouveau tableau qui se trouve ici. Et alors ce nouveau tableau, il est vraiment plus grand. Il fait 1m20 sur 90 cm alors que l'autre faisait 60 sur 90. Il est réellement deux fois plus grand. On récupère en haut ce que je vous présentais tout à l'heure. C'est pour ça que je vais passer un petit peu de temps dessus. On a toujours mon Bismat Everyday. On a, c'est madame qui l'a fait ça aussi, le Believe. Ceux qui regardent Ted Lasso comprendront ce que ce Believe fait là et qui est très lourd également. De promesses, de conséquences, d'implications, de motivation, etc. J'aime beaucoup. C'était une surprise, je ne l'ai absolument pas demandé. Je suis revenu un jour d'un week-end à l'extérieur et il y avait ce Believe au-dessus de mon tableau. Je trouve ça génial. Ensuite, j'ai, maintenant comme j'ai plus de longueur ici, j'ai décomposé en daily, weekly, monthly ce que je veux faire. Donc le challenge chaque lundi ou dimanche, et généralement c'est le lundi matin, c'est de savoir ce que je veux faire ce mois-ci, de savoir ce que je veux faire cette semaine et de décomposer ensuite en action sur la journée, sur les différentes journées. Donc par exemple, mes objectifs du mois, c'est de trouver un nouveau taf. Ça se passe de commentaires, je pense. Ensuite, c'est d'acheter un 70-200 ce mois-ci. Le mois dernier, j'ai acheté le Sony A7 Mark IV avec lequel je filme là. Et bien ce mois-ci, je craque mon slip, je veux acheter un 70-200 parce que c'est ultra stylé, parce qu'il y a plein de petits oiseaux qui se baladent par chez nous et que ça me permettrait de faire des vidéos ultra cool. Donc, get a 70-200 ici. Ensuite, set LDD afloat. Parce que tout simplement, j'ai tapé dans mon épargne, dans mon livret de développement durable pour acheter le Sony A7 Mark IV, parce que j'avais un bon coup et il fallait que je le saisisse. Donc, j'ai défoncé mon LDD pour ça. J'ai vendu la A7 Mark III qui comble un petit peu, mais l'idée, c'est ce mois-ci de venir renflouer le compte avec les fonds que j'avais utilisé pour le A7 Mark IV, donc avec remettre dans mon épargne un petit peu. Ça, c'est mes objectifs du mois, donc je me le garde là et je sais que la prio, c'est de remettre mon LDD avec la bonne quantité de sous dessus. Et ensuite, à la fin du mois, je vais chez les copains de BIM Energy. J'ai la prétention de dire que c'est des copains parce que vraiment, j'aime beaucoup ce qu'ils font et toutes les visios qu'on fait, elles sont vraiment, vraiment, vraiment super cool. BIM Energy, je vous ai fait une petite vidéo, je vous mets le lien juste ici de l'installation du kit BIM Energy. Et à la fin du mois, je vais chez eux pour, ça c'est une exclue pour vous, personne d'autre le sait. À la fin du mois, je vais chez eux à Nantes du coup pour filmer un petit peu comment ils travaillent, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur passion, etc. Parce que ils ont une manière de présenter, enfin pas de présenter leurs produits, mais de défendre leurs produits, de vouloir faire réellement des choses belles, grandes, qualitatives. Et je trouve ça fabuleux et je veux le mettre en avant. Donc voilà ce qu'on va faire. Weekly, donc je vais faire une bonne vidéo sur la chaîne principale parce que j'ai un petit peu du mal en ce moment. J'en parlais sur le Discord et dans le podcast XXL de ce week-end. Idem, vous avez le lien vers le Discord dans la description de cette vidéo. Et je veux me reposer et m'entraîner. Et je pense qu'en fait, je vais virer la partie m'entraîner et cette semaine, je vais la prendre en semaine de repos parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment éclaté. Et je pense que mon corps, le mois de janvier, il a vraiment subi un petit peu. Et en daily, c'est écrit un peu terne ici, mais l'idée c'était de faire mon 20 minutes training badge, parce que sur l'Apple Watch aujourd'hui, on a eu un nouveau badge pour la nouvelle année du tigre, la nouvelle année chinoise tout simplement. Il fallait que j'organise Day One avec les objectifs matinaux, c'est fait. Et il faut que je fasse une vidéo sur Tesla Therapy, sur les barres de toit, ou sur la charge, puisque Tesla a ouvert les superchargeurs aux autres véhicules, sur certains superchargeurs, pas tous, et donc ça peut être un sujet de vidéo, et j'aimerais le pondérer avec le coût de l'électricité et le fait que tout simplement, l'électricité va coûter de plus en plus cher, les superchargeurs vont coûter de plus en plus cher comme partout, et faire comprendre aux gens que la tendance, acheter une voiture électrique c'est bien, c'est un bon début, mais ça tend vers l'installation de panneaux solaires et de batteries chez toi si tu veux vraiment avoir être autonome énergétiquement, parce que sinon ça coûtera quand même cher, même si la partie carburant fossile
augmente encore plus vite que la partie électricité. Mais il faut quand même avoir à l'idée que le futur, le turfu, pour moi, ça passe par chacun a sa petite consommation ou à l'échelle d'un quartier, on a une petite ferme solaire ou de la géothermie ou ce que vous voulez. Mais on ne peut pas toujours continuer de dépendre de grosses centrales situées à quelques endroits stratégiques du pays, ça ne marche pas. Donc voilà, il y a cette vidéo à créer et c'est un autre sujet, encore une fois. Donc voilà, ce tableau, moi, il me sert à ça, à lister tout ce que j'ai à faire durant la semaine, à planifier un petit peu, à garder à l'esprit des idées essentielles pour mon bon fonctionnement cérébral déjà, et pour la personne que je veux être, on va dire ça comme ça. Sur la chaîne principale, j'hésite entre deux articles, NAS et Wi-Fi. Il y a deux trucs à vous présenter, c'est écrit ici. Et donc voilà. Et après le week-end, par exemple, cette partie-là, cette grande partie au milieu, puisque c'était un petit peu l'idée de cette vidéo aussi, cette grande partie au milieu, je vais écrire en bleu et je vais noter ce qu'on doit faire, tous les deux, madame et moi par exemple, et chacun se répartit ses tâches. Et une fois qu'une tâche est terminée, on ne vient pas l'effacer, malheureux, on la raye de telle sorte que la personne qui passe après sache qu'il y avait cette tâche, que la tâche a été faite et que c'est bon, pas juste qu'il y a moins de tâches qu'on ne le pensait réellement. La notion de rayer, elle est vraiment bien. J'utilise des marqueurs Staedtler, je sais pas si ça peut vous intéresser, je vous mets le lien dans la description aussi. J'en suis très fan parce qu'ils peuvent rester ouverts longtemps. C'est des marqueurs durables. Moi, le durable, il est super important pour moi dans les produits que j'achète. C'est des marqueurs qui peuvent rester ouverts longtemps, qui sont rechargeables, etc. Et ils coûtent pas forcément plus cher que les autres. Et ils sont très, 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 très bien. Sauf l'orange, vous l'avez vu, qui manque un petit peu de pigment quand même, pour être très franc. Voilà tout. Et après, vous l'avez vu, le bureau a un petit peu changé par rapport à d'autres vidéos. Je sais pas où vous en êtes resté des vidéos que je vous ai présentées. Il y a un seul écran maintenant. En haut, il y a le MacBook Pro évidemment devant, le bureau est comme ceci, c'est un bureau qui se règle en hauteur, je vous avais fait également une vidéo là-dessus, bam, je vous mets la petite carte là, ce petit caisson Alex de chez Ikea avec une sansevieria parce qu'on aime beaucoup les plantes à la maison, et mes deux objectifs là, un jour quand on sera chez nous, on aura un bureau, j'aurai un bureau, on ne sait pas comment on organisera, mais je pourrais mettre des petites étagères sur lesquelles je viendrai poser mes objectifs alignés, ainsi que l'appareil photo aligné, le micro par exemple là-bas qui n'a rien à foutre là, ça sera très très sexy parce qu'il y a des trucs que j'ai besoin facilement, j'ai pas envie de les ranger dans un placard parce que ça fait loin pour aller les chercher, mais les avoir sur le bureau ça me fait quand même un petit peu chier. Donc voilà la logistique de la chose, et ça sert forcément à rien, foncièrement à rien, de faire une vidéo plus longue que celle-ci, donc c'est le moment où je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très vite, vous avez les liens dans la description si vous voulez vous abonner à la mailing list qui est très cool. Julien et Florian ont refait cette mailing list, merci à vous les gars, j'en profite pour vous faire un big up dans la vidéo ici. Ce petit pop-up, cette page locan.jp/mailing, elle vous permet de juste mettre votre mail et ça vous envoie un mail automatiquement quand un article est sorti. Les mails sont envoyés à 20h, donc vous recevez 3-4 articles, maximum 4 mails par semaine, uniquement quand il y a un mail qui sort. Je m'en sers pour rien d'autre, je m'en sers pas pour vous partager de la pub, je m'en sers pas pour vous partager des bons plans, c'est juste un mail automatique qui part vers chez vous quand il y a un nouvel article. Si vous voulez pas vous abonner avec du RSS ou vous abonner avec YouTube, ça peut être une bonne solution. Et puis si vous avez kiffé cette vidéo, évidemment, les petits pouces, les abonnements, etc., ça marche dans tous les cas et ça fait toujours super plaisir. Je vous fais des grosses bises, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.